Aujourd'hui, je vous propose un outil nouveau, élégant, orienté solution, qui va vous permettre de provoquer des changements réels et durables pour le locataire dans la gestion de son budget. Les objets orientés solutions sont des objets simples, de la vie courante, qui permettent d'installer pendant l'accompagnement une expérience nouvelle chez le locataire. C'est un apprentissage qui passe par le corps et non pas par le circuit cognitif habituel. C'est particulièrement intéressant lorsqu'il s'agit de remettre le paiement du loyer au centre des priorités. Pour réaliser un budget orienté solution, prenez plusieurs gobelets sur lesquels vous indiquez les différents postes correspondant au budget du locataire accompagné. Commencez par celui du loyer. Faites prendre ensuite par le locataire une bouteille pleine d'eau en lui précisant que le contenu correspond à l'argent dont il dispose mensuellement. Le verre correspondant au loyer est évidemment retourné. Demandez-lui de verser l'eau dans chaque verre en fonction de l'argent qu'il consacre mensuellement à chacun des postes. Vient ensuite le moment de retravailler avec lui son budget. Demandez alors au locataire ce qu'il est prêt concrètement à changer dans sa manière de dépenser son argent et demandez-lui alors de répartir l'eau d'un verre dans un autre pour alimenter le poste correspondant au loyer. Vous avez beaucoup de locataires à accompagner et pas assez de temps à consacrer à chacun d'eux. Les objets d'impact sont des objets élégants car ils vous permettent le maximum d'effet avec un minimum de temps. Chaque fois que le locataire reverra l'objet, en l'occurrence un gobelet, il y réassociera le message que vous y aviez vous-même mis et opérera des choix efficaces dans la gestion de son budget.